bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Donc sur cette vidéo, on se retrouve pour un nouvel unboxing qui est secret pour l'instant. Pour vous, pour moi non, parce que je sais ce que j'ai acheté. Donc nous allons procéder à cet unboxing tout de suite, let's go. Donc c'est un produit qui vient d'Angleterre normalement, qui a atterri chez moi par avion, dit Airmail. Donc nous allons tout de suite déballer ce truc, ce sachet. Hein. Ok, c'est du plastique un petit peu bizarre. Je vais aller chercher un petit truc coupant. Donc je vais aller chercher une sorte de petite pince hein, qui fait multifonction. Voilà, tout ça pour faire ce truc. Merde, j'ai évité trop. Bon, allez, c'est parti. Petit papier, après on le verra. Attention, vous êtes prêts? Et voilà. Oh, j'ai déchiré le paquet qui a enveloppé ce que j'ai acheté. Bon, d'ici on va peut-être pas très bien. Ouais, vous rêvez pas, j'ai bien acheté ça. Alors, je vais tout vous expliquer de ce que c'est. Hop là. Ok. Bon, déjà, regardez ce que c'est exactement. C'est un virus. Le Noraxworm. Alors, en fait, je vais tout vous dire. Alors, c'est une peluche qui vient d'un jeu vidéo que sûrement quand... Vous avez peut-être commencé à jouer à la tablette, le jeu Plague Inc. À mon avis, ce nom n'est pas totalement inconnu. Vous avez sûrement déjà entendu ce jeu, c'est obligé. Après, peut-être pas. Donc, ça vient d'un jeu qui est pas mal connu, quoi. Et j'ai voulu acheter ça pour mon studio que je suis en train de préparer. Enfin, du moins, le décor de mon studio. Donc, c'est une peluche. C'est exactement un microbe, ouais, un virus. Et il y avait plusieurs et j'ai décidé de prendre celle-là parce qu'elle me plaisait beaucoup. Vraiment, elle me plaît énormément. Donc, on a des étiquettes là. Non, je pense qu'il y en a beaucoup, hein. Plague Inc., Noraxworm, c'est le nom du virus, je crois. Voilà. Donc, cette peluche est collector, bien évidemment. Et elle m'a coûté 14 euros, je crois. Enfin, il y avait 4 euros pour toute personne qui n'était pas en Angleterre. Et comme je suis français, 4 euros plus. Voilà. Donc, vraiment, ça me plaît beaucoup. Ben, j'adore le regarder. Non, vraiment, ça me fait plaisir parce que c'est collector. On n'en voit pas, on ne voit pas le même. En Intermarché quoi, enfin vous avez compris. Bon, c'est quoi ce papier? Alors, si vous voulez acheter cette chose, vous allez sur le site officiel du jeu, donc Plague Inc. Vous allez dans Store et normalement vous avez des t-shirts, des peluches, le jeu de société. Vous cliquez sur ce que vous voulez, puis ensuite pour les peluches, du moins après les t-shirts, je sais pas. Pour les peluches, ça va sur le site de Gian Microbes, Bidouin Olivier. Voilà, donc normalement, toutes les peluches qui sont sur ça, ça coûte 14 euros si vous n'habitez pas en Angleterre.
Donc ça m'a coûté plus de 14,94 euros. Normalement la peluche coûte 9,95. Voilà. Bon bah ça fera nous un truc en plus pour mon décor de studio. En même temps que tant que je suis sur cette vidéo, je vais dire pas mal de trucs en même temps. En fait, ici, le décor qui est en bois ici, je vais peut-être un peu l'arranger. Et ici ce sera style unboxing. Et enfin ça dépend. Ça pourra. Ça, ici ça sera beaucoup unboxing et explication. Et côté où il y aura du blanc un peu partout, ça sera un peu gaming, podcast, voilà des trucs comme ça, je vous donne un peu illusion. Et tuto, bah ça dépend, ça peut être ici. Là je suis en cours d'un tuto sur la potion de shield que je n'ai pas encore fini parce qu'il me manque le colorant bleu, faut pas acheter. Donc voilà, donc je vais la montrer de vous avec la peluche. Voilà. Donc ne pensez pas que je suis un bébé, que j'achète ça, non, c'est juste, enfin, ça me plaît et en même temps, bah, c'est collector, j'adore moi, c'est magnifique. J'adore moi, j'aime bien, bah, si vous voulez vraiment savoir combien j'ai de peluches, j'en ai au moins 200 dans mon lit, donc oui, j'en ai vraiment 200. Bon, celle-là, non, je vais pas la prendre, voilà, vous m'avez compris. Donc vraiment, elle m'a plu, j'ai directement été sous le charme de cette créature. Je suis en train de raconter ma vie. C'est un rapport d'un unboxing sur la vie. Bon, enfin bref, voilà, donc c'est une créature basique, hein, qui est surdimensionnée. Donc il y a deux yeux, voilà, il y a un peu de... enfin des fils roux, des petites ailes rondes là comme une sorte de chenille, des petites pattes rouges et après bah petite étiquette voilà. Donc vraiment je suis content de cette créature, non me plaît vraiment, je l'adore, elle est magnifique. Je vais enlever cette table de mer parce que ça ne plus à rien. Voilà. On va se rapprocher un petit peu. Donc voilà. Je dis beaucoup. N'hésitez pas à laisser des commentaires si ça vous plaît pas, si c'est moche. Je vous le dis, hein, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Si c'est bien, si c'est moche, voilà, tout ce que vous voulez dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et tout simplement vous abonner. Voilà. Donc, ça me plaît. Voilà, mais vraiment, je suis tombé amoureux, quoi. J'ai dit, je veux l'acheter tout de suite. Donc, normalement, le prochain unboxing, ça sera peut-être, un poster. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et puis voilà. Donc on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Salut !